Une chose est sûre, ne venez jamais en Suède. Vous repartirez plus jamais. Il est 15h. Allez, 15h30. Il fait déjà quasi nuit. En tout cas, il n'y a plus de soleil. Et il faut que je starte le feu. Qui veut pas s'allumer? J'ai bien dormi, ouais. J'ai super bien dormi, ouais. Avec une super vue. Ça va vous faire oublier ma tête. Toute cette neige. Waouh. Waouh. Que fait petit Momo? Coucou. Tu t'en sors? Toute cette place qu'on a... Oh, mais t'as redéplacé ce tracteur! Ça marche comme tu veux? Ouais, en fait, les cartes, je les avais interverties. Allez, on y va! Tyson, il s'est barré. Tout magnifique. La maison abandonnée,
elle est toujours là, elle est toujours abandonnée. J'expliquais que hier, on voulait aller faire du ski de fond. On s'est dit, grand soleil, par contre il faisait moins 20. Allez, on met les skis dans la voiture, on s'équipe, on sort de la voiture, on met les skis. Les chiens commencent à boiter. Oh non, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faisait tellement froid que je pense que ça leur brûlait, enfin ça leur gelait du coup les pattes. Donc on n'est pas encore allé faire du ski de fond parce qu'on est rentré. Et puis là, il fait déjà un peu plus chaud, entre guillemets chaud, hein, on s'entend. Il fait pas moins 20, il fait moins 8. Et du coup, on leur a acheté un gilet. Il faut savoir que évidemment, il déneige pas chez nous. Hein. Alors on a dû mettre les chaînes. On est vite allé en acheter parce que la paire qu'on avait, elle fonctionnait pas avec nos pneus. Avec des plus gros 4x4, mais pas avec les nôtres. Alors on en a racheté une paire. Et puis, il y a eu des motoneiges qui sont passées sur le chemin. Et du coup, elles ont tout défoncé. On n'arrivait plus à monter. Alors on a chaîné et puis c'est passé nickel. Super Momo était dans la place. Alors ça, c'est le chemin déneigé. Qui va s'arrêter ici. Il va falloir mettre le 4x4. Et puis là, il y a plus de déneigement. C'est la merde! Ouais, ça allait mieux avant. Bon, on va chaîner. On est en train de tout redémonter la cuisine pour en remettre une neuve de Ikea. Parce que ça ne me convenait absolument pas la cuisine comme elle était. C'était pas du tout pratique. En fait, le problème, c'est que les tiroirs, c'était des anciens, ça s'ouvrait normalement. Il fallait se plier, baisser, aller chercher super loin. Tandis que là, c'est des couloirs, enfin des tiroirs coulissants, donc c'est beaucoup plus simple. Là, on a mis le meuble, on va mettre le meuble en servante qui est là. Avec plein de bordel, on sait. Mais voilà, donc on fait 2-3 petites retouches. Vu que l'évier, avant, il était ici. Maintenant, il sera devant la fenêtre. Des raccords d'eau. Plus longs. L'évacuation, la même chose. La belle cuisinière qu'on a ramenée de chez nous. Exclusivement à gaz. Plaque four. Merci. Et puis, là, l'évier. Là, ce sera des petits rangements. Et voilà. Donc, on en est là. C'est le merdier, comme d'habitude, comme toujours chez nous.
Donc pour l'instant, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité, on a du gaz, ça c'est top, d'où l'intérêt d'avoir une cuisinière à gaz, parce qu'on n'est jamais emmerdé. Mais pour l'instant, c'est pas folichon. Hein. Si tu veux bosser en Suède, investis dans une génératrice. Parce que c'est bien joli hein, de faire à la scie, tout à la main et tout, patati patata, mais qu'est-ce que tu te fais chier? Ce papier peint. Il me fait trop rire. Je l'aime bien. Ça fait assez authentique maison. C'est le truc qu'on a gardé d'avant. On va défoncer tout le plafond, je pense, peut-être dans 2 ans. Parce qu'on aimerait bien avoir une hauteur sous plafond. Et ce qui serait génial, ce serait de faire, en fait, avec les étagères Kallax, mettre le lit en haut et puis dessous faire un bureau. Pouvoir faire un bureau à ce niveau-là et puis les étagères Kallax et puis nous, on monte dans le lit. Les petits chiens, bah, ils resteront en bas, hein. On fera un joli petit truc, mais on aura plus d'espace comme ça. J'hésitais aussi pour un truc. Ici, là, je me posais la question, dites-moi si ça pourrait le faire ou pas. J'aimerais bien défoncer ce mur et en fait mettre des lames. Comme ça, de 1, la chaleur, elle passera plus facilement. Et puis, ça ferme quand même la pièce par rapport à l'entrée. Les eaux pour l'instant ne fonctionnent pas. On remplit les 3 jerrycans d'eau pour qu'on puisse faire la vaisselle et puis remplir notre berquet. Je vais vous montrer le parcours du combattant de Momo. Il remplit à la casserole. C'est dur. Hein. Alors, aujourd'hui, il fait moins 20. Ce matin, quand on s'est réveillé, moins 20. Dans la maison, 10 degrés. On s'est vite habillé, je peux vous dire, et on a vite fait le feu. Maintenant, c'est nickel. Il fait 20 degrés à l'intérieur. Et il fait moins 10 dehors, parce qu'on a du beau soleil. On s'est acheté un espèce de chauffage à diesel. Style comme un V-basto, pouvoir dégeler les conduites d'eau qu'on avait commencé à remplir et puis en fait c'est gelé plus loin. Alors il faut qu'on vide tout, sinon il y a tout qui va péter et Momo du coup il fait ça. C'est la future porte des toilettes, enfin. Donc je dois toute la poncer, j'ai déjà commencé. Ça doit dégager encore. J'aimerais bien reprendre la couleur du bois. Je sais pas encore si je veux mettre protection et puis le bois est apparent, enfin il est couleur bois quoi. Bien si je mets de l'azur dessus, je sais pas, on verra. Aujourd'hui plan B. Étant donné que tout gèle, on ne peut pas utiliser l'eau. Moins 20, trop compliqué. Il faut qu'on améliore notre installation. On va mettre un tuyau flex qui sera relié à ce bidon d'une trentaine de litres. Et ce sera une pompe à pied. Il a branché les tubes. Thank you.
Normalement le programme. Malheureusement, en utilisant le Volvo l'autre jour, Morgan a déjanté le pneu avant. Le problème, c'est que pour remettre le pneu, il faut faire une explosion. On voit bien hein, là. Pour que ça re-rentre là. Oublié, hein, en hiver, c'est mort. Donc ce qu'il faut faire, c'est le mettre en marche, là même, hein, il est froid. Donc il faut qu'on mette à chauffer tout le liquide. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un cordon anti-gel, donc on a juste à le relier électrique, puis ça va le chauffer. Il faut lever l'avant, enfin pousser pour que en fait, le Volvo il se lève. Et puis on va le caler sur des briques en attendant l'été prochain. Le problème, c'est que c'est pas bien s'il reste sur le pneu comme ça. Ça va l'abîmer. Et puis jusqu'à juillet, quand on va revenir, il faut faire en sorte qu'il meure pas, quoi, le petit. Non, ça bouge pas là. Putain, c'est vraiment compliqué. Hein. On veut utiliser le compresseur pour gonfler le pneu, mais non, c'est trop froid, il veut pas s'enclencher. Du coup, on doit utiliser le souffleur à air chaud pour chauffer ce machin, pour qu'on puisse l'allumer, qu'il se remplisse d'air, remplir le pneu. On n'est même pas sûr d'ailleurs que ça marche. Hein. Parce qu'il reste vraiment pas grand chose pour que la jante elle re-rentre. Ah, ce serait bien si ça marche, ou on peut aller le recaler là-bas. Nickel. On a enfin réussi à allumer le Volvo. La prise au final, ça fonctionnait pas. Je peux pas vous dire pourquoi. Est-ce qu'il fait trop froid? J'en sais rien. Alors on a mis le super gros chauffage sur le moteur hein, du Volvo. Et puis il a démarré au quart de tour. Donc là, on va le mettre sur un support. Quel beau lancer! Ok, c'est bon. Parfait. Voilà, on est prêt pour la prochaine. Cet été. J'ai également stocké tout le reste du bois qu'on avait. Après ça, on n'a plus rien. Du coup, tant mieux qu'on reste plus qu'une semaine. Il faut qu'on aille acheter le, enfin, chez un fournisseur parce que pour l'instant, on n'a pas encore débité le bois qu'on a coupé l'année passée. Enfin, cette année. Non, c'est l'année passée, hein, en août. Et vu que la machine, ce qui est génial, c'est que vu que le gros générateur, il tourne, on va pouvoir utiliser la machine, la fendeuse de bûches. Ça va être top, je me réjouis de tester ça. Mais maintenant, l'autre stock de bois, il n'y a plus rien. Il faut le re-remplir pour l'hiver prochain, parce que je pense qu'on va revenir l'hiver prochain. C'est génial avec toute cette neige, ce soleil et tout.
Au secours. C'est long. Ça va. Tu vas vous fumer. On voit rien. Putain, t'en vois rien à cause de la fumée.